Salut, voilà, c'est toujours moi de Samos Pita et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. C'est ta première fois de me voir, voilà, laisse-moi une pouce bleu, voilà, ça me réconforte. Et puis, ici, sur cette chaîne YouTube, j'essaie de donner un peu des applications, j'essaie de donner un peu des informations sur des bourses du monde, voilà. Donc, si c'est la première fois, essaie de t'abonner, voilà, pour plus m'encourager. Voilà, donc aujourd'hui, je suis là pour vous donner un peu des informations sur des bourses. Et cette fois-ci, de façon particulière, c'est la bourse de la Croatie. Voilà, donc c'est très rare de voir une bourse de la Croatie, mais cette année, vraiment, comme je vous le disais, chaque pays va essayer de se relever de façon économiquement, voilà. Donc ils feront tout pour pouvoir relever leur économie. Donc quand on dit relever leur économie, tout le monde sait que vous savez que tous les pays de l'Europe vont se diriger vers l'Afrique. Donc c'est un peu ça. Donc si vous avez l'occasion de postuler à une bourse, alors en profitez et puis voilà. Maintenant, donc on va pas trop durer, c'est une bourse de la Croatie. Et puis pour pouvoir postuler à la bourse de la Croatie, il faudra forcément faire quoi? Faire une sélection parmi la liste des universités. Voilà, et pour en ce qui concerne la liste des universités, je vais mettre le lien en commentaire, vous allez voir toutes les universités, vous allez choisir. Donc parce que vous devez choisir une université, parce que vous allez écrire une lettre de motivation en fonction de cette université. Voilà. Donc, d'abord, en premier lieu, vous faites le choix de l'université. Et en second, vous écrivez une lettre de motivation. La lettre de motivation doit porter sur votre premier choix, qui est quoi? Le choix de l'université. Voilà. Donc, lorsque vous finissez, vous devez maintenant écrire, comment on appelle ça, un CV du format Europass. Le CV format Europass, c'est un CV un peu différent de ce qu'on a, voilà. Mais si vous voulez l'avoir, référez-vous un peu au CV de la bourse de la Roumanie. Maintenant, tous ceux qui n'ont jamais vu ce CV, vous pouvez m'écrire inbox sur le numéro qui est là. Je vais vous donner ce CV, voilà. Ou bien vous mettez votre numéro WhatsApp, ou bien aussi vous laissez votre email en commentaire, je vais vous envoyer ce CV. Voilà, c'est l'exemplaire que je vous envoie et vous-même vous essayez de comprendre comment ça se passe et vous les remplissez. Voilà, donc comme je disais, d'abord au premier vous choisissez votre université, en second vous écrivez une lettre de motivation et au troisième vous faites quoi? Vous prenez le CV Europass et vous le remplissez. Voilà, maintenant je voulais être clair sur un principe, c'est quoi? C'est que cette bourse concerne seulement que les chrétiens. Voilà. Cette bourse, il y a deux bourses de Croatie. Je vais faire d'abord cette vidéo et après faire une autre vidéo pour tout le monde. Cette bourse concerne que les chrétiens. Voilà, donc c'est un peu truc, mais voilà, c'est ça. Donc cette bourse concerne les chrétiens. Alors, pour prouver vraiment que vous êtes chrétien, vous devez avoir une lettre de recommandation de votre paroisse. Ça, c'est ce qui est primordial. Donc, si vous dites que vous êtes chrétien, vous devez avoir une lettre de recommandation de votre paroisse. Voilà, vous ajoutez tous ces documents et vous l'envoyez à l'adresse que je vais mettre en commentaire. Et c'est tout, vous avez fini de postuler. Voilà, donc c'est une courte vidéo. C'était moi de Samos Pita. N'oubliez pas, je vais mettre les liens en commentaire. Vous vérifiez les liens et puis il y aura le lien pour choisir votre université. Il y aura par exemple le lien pour envoyer le mail pour pouvoir envoyer vos dossiers. Voilà, maintenant je vais vous mettre aussi mon numéro pour que vous puissiez m'écrire et demander la lettre Europass, la lettre de motivation, le CV Europass. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'était moi de Samos Pita. Voilà, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Si c'est votre première fois, abonnez-vous. Et si vous me connaissez déjà, voilà, laissez-moi une pouce bleue, ça me fera vraiment plaisir. Voilà, donc merci et à plus.